La patrie des droits de l'homme pourrait-elle assumer aussi impunément de violer les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme en privant un homme, même le plus monstrueux d'entre eux, d'une nationalité? Où iront-ils après l'ultime frontière, pour reprendre le poète palestinien Mahmoud Darwish? Et sans vouloir dévaliser des mots écrits dans un autre contexte, j'ai aussi en tête ce beau cri de douleur, mais aussi d'espoir, de Pablo Neruda. Je veux vivre dans un pays où il n'y a pas d'excommuniés. Le premier vers de son si beau poème, j'avoue que j'ai vécu. Pour ce qui nous concerne, nous ne serons pas de ceux qui porteront cette lourde responsabilité qui marquera l'histoire de notre 5e République.